Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu spéciale, étant donné que ce sera la dernière vidéo que je filme, en tout cas pour l'année 2013. Hein. Les autres vidéos que vous aurez en fin de semaine seront les vidéos que j'ai préparées d'avance. Donc c'est vraiment la dernière vidéo que je fais cette année. Et on va s'accompagner pour cette vidéo d'un replay qu'on a joué le 22. Là on est le 23, donc le 22, on a joué sur cette carte avec quelques amis. Et ce sera sur le jeu Wargame Ergon Battle, hein, bien évidemment. Donc une fois que j'aurai tout dit, on regardera la fin de surprise ensemble. Donc je vais vous dire, là, ça fait quand même 2 ans que j'ai commencé ma chaîne, quand même, ça fait un petit moment. Et en 2 ans, il s'est quand même passé beaucoup de choses, hein. Il s'est passé que j'ai fait plusieurs Wolfou différents, certains sont terminés, notamment Wording Conflict. A été terminé celui de Company of Heroes a repris maintenant, surtout sur la Company of Heroes Opposing Front, on a commencé. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent en ce début d'année, quand même, en cette année plutôt complète, hein. Et bien évidemment, avec tout ça, vous avez vu, beaucoup ont apprécié, mais bon, ça sera rarement que je fais des choses dans le genre. C'est le let's play que j'ai commencé sur le jeu, mince, j'ai oublié le nom, le Crusader Kings 2, voilà. Ce let's play là plaît à beaucoup de monde, hein, donc moi personnellement je trouve que c'est quelque chose de sympathique, mais c'est vraiment pas là où je suis vraiment quelqu'un de doué. Ce qui est, je suis plutôt quelqu'un habitué à faire des wolfou, hein, donc j'ai vraiment retourné à ses sources pour l'année 2014. Qui dit wolfou dit bien évidemment peut-être moins de vidéos. Là j'essaie d'être quand même à un rythme de 3 vidéos par semaine. Je sais pas si je pourrais le tenir, ce rythme là, parce que ça demande quand même beaucoup de préparation pour faire un let's play, hein. Un let's play ne demande pas de préparation, justement, et du fait que je suis en let's play là, j'ai pas beaucoup besoin de préparation. Je vous mets une vidéo de Wolfou, ça va. À partir du moment où je vais recommencer à faire 2-3 vidéos de Wolfou par semaine, ça va me prendre beaucoup de temps. Donc je m'en excuse, hein. Donc c'est possible qu'on diminue un peu la cadence, mais bon. J'essaierai toujours quand même de vous fournir quand même beaucoup de vidéos, hein. Au moins 2 par semaine, c'est ce que je me vise en objectif. 3 si j'y arrive, mais au minimum 2. Comme ça au moins vous aurez déjà beaucoup de boulot. Déjà pour tout regarder, donc c'est déjà... Pour vous, je pense que c'est déjà un bon nom. Avec tout ça, il s'est passé quand même plusieurs choses cette année, il faut dire ce qui est. J'ai eu quelques problèmes, beaucoup de problèmes, par exemple, j'ai dû changer plusieurs reprises de logiciel parce qu'il marchait pas. Une époque, on avait commencé avec Fraps, j'ai eu des problèmes avec, j'ai dû passer sous Action. Merilis Action, le nom du logiciel. Ce logiciel-là, bien évidemment, ça nous amuse. Je compressais avec un logiciel, mon logiciel pour compresser ne fonctionnait plus avec Merilis Action. Il était incapable de les compresser au bout d'un moment, je sais pas pourquoi. Donc j'ai dû retourner sur Fraps. Donc voilà, à des moments, on peut pas nier beaucoup des baisses de qualité de vidéo durant un moment. Hein. Des vidéos moins bien préparées, moins bien faites que d'habitude, mais bon. Après ce début d'année, on a eu beaucoup de problèmes comme ça, on peut dire que l'année s'est plutôt bien déroulée ensemble. Hein. Plusieurs vidéos, toujours, vous m'avez toujours suivi, toujours soutenu, vous m'avez toujours encouragé à continuer. Donc j'ai envie de dire, on a plutôt passé quand même une agréable année. Hein. Ma chaîne se développe. Ma chaîne se développe. Je sais pas si l'année 2014 me réservera la même surprise, mais cette année ça a plutôt bien avancé quand même. Donc on a fait comme un bon travail ensemble, je pense. Parce que oui, si j'ai réussi tout ça, c'est grâce à vous. Faut aussi vous dire ça, c'est grâce à vous que je continue à faire mes vidéos, c'est grâce à vous qui me suivez, qui me soutenez. Donc je vous remercie toujours autant, hein, de me suivre et d'être si présent.
J'espère que ça continuera comme ça l'année prochaine. Je vais être honnête, je vais directement. Parce que c'est quelque chose qui me plaît vraiment de faire des vidéos. Et rien que le fait de pouvoir faire des vidéos avec vous et que vous mettez des commentaires, tout ça, c'est pour moi c'est un pur moment de bonheur. C'est vraiment là que je m'amuse. C'est faire des vidéos avec vous qui m'amuse vraiment. Voilà. J'espère que ça continuera comme ça l'année prochaine. Donc voilà. Déjà, je voulais aussi, pendant cette vidéo-là, vous fêter de bonnes fêtes de fin d'année, en tout cas pour tous. Hein. Là, nous avons fin d'année 2013. Donc je vous dis à tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous souhaite aussi tous mes meilleurs voeux pour l'année prochaine. Comme ça, ça permet de faire... Cette vidéo-là, oui, pour ceux qui se posent la question, ça sera une vidéo de bilan de l'année 2013. Et aussi une vidéo de remerciement, bien évidemment, dans... de joyeuses fêtes aussi, hein. Ça regroupera un peu tout pour cette fin d'année. Et tous mes meilleurs voeux vous accompagneront aussi pour l'année 2014, hein. Ah, pour les personnes qui me suivent, tout ça. Espérons que la santé soit toujours au rendez-vous, que la réussite sera aussi là. Donc je vous dis bon courage pour l'année 2014. Alors maintenant, venons au vif du sujet, c'est le bilan 2013. Alors il y a eu des hauts, des bas. Je vous rappelle, pour ceux qui ont fait attention, ça s'est quand même rendu compte. Le début d'année 2013 n'a pas été facile pour moi. Hein. J'ai eu beaucoup de difficultés à filmer. J'avais des problèmes de santé. Bon, je vais pas revenir dessus. Mes problèmes de santé ne sont plus. Donc c'est plus quelque chose à s'occuper. Mais voilà, il y a eu ça en début d'année. Qui mine de rien nous a quand même... qui m'a quand même beaucoup paralysé pour faire des vidéos de qualité, pour dire ce qui est. Depuis que je suis rétabli, ben, mes vidéos ben, ont vraiment bien repris, pour dire ce qui est. Mes vidéos, ben, vous êtes toujours là à me dire que mes vidéos sont bien, donc je veux dire merci à vous. Hein. Donc voilà, c'est un grand merci à vous en tout cas. Certains se sont rendus compte et m'ont envoyé des messages d'encouragement, de bon rétablissement, tout ça, je les remercie également. C'est vraiment chaud au cœur quand on voit. Personnellement, j'ai jamais rien demandé à personne. C'est pas maintenant que j'ai changé. Enfin, jamais rien demandé à personne. Quand je vais mal, j'en fais part à personne. Ça, je veux dire. Je préfère garder ça pour moi parce que c'est pas un truc qui doit normalement apparaître dans mes vidéos. Mais il y a des personnes qui m'ont quand même encouragé, qui s'en sont rendu compte. Donc, merci à eux en tout cas. Quand on va mal, avoir toujours des messages réconfortants, c'est toujours sympathique. Hein. Ça fait toujours du bien. Enfin, je vais pas le nier. Donc vraiment un grand merci à vous, à ceux qui m'ont soutenu. Et j'espère que ben, j'aurai pas de nouveaux problèmes de santé de même pour l'année 2014. Hein. Voilà, normalement j'ai été totalement rétabli, donc c'est bien. Hein. Mais bon, on ne peut jamais être certain à 100%. On verra bien après tout ce que nous réserve Sun. Alors, pendant cette année 2013, ben, bien évidemment, il y a eu mes examens, voilà, des examens standards. Hein, voilà. Maintenant, je suis dans les études supérieures, donc j'essaie toujours d'être aussi présent quand il y a des questions qu'on me pose. Hein. Bon, malheureusement, je dois dire que je passe un peu moins de temps à regarder tous les commentaires que vous mettez sur ma chaîne. Hein. J'ai moins de temps aussi à vous fournir. Il y a ça aussi derrière. J'essaie toujours de fournir le meilleur travail et toujours fournir avec le temps que j'ai. Hein. Dès que j'ai un peu de temps libre, j'essaie de passer sur ma chaîne, de voir comment ça se passe. J'espère que ça continuera vraiment comme ça, parce que ça marche plutôt bien. Faut dire ce qu'il y a, ça marche bien. Et voilà, j'ai envie que ça continue encore un bon moment. Sur cette année 2013, faut aussi dire ce qu'il y a. Je me suis rendu compte que sur les vidéos en tant qu'indépendant, il y a un gros problème. Surtout avec YouTube en fait, c'est qu'on est très mal protégé en fait. Nos vidéos peuvent être un peu récupérées quand YouTube veut nous récupérer, ils peuvent un peu nous les prendre quand ils veulent. Hein. On a vraiment ce problème de protection pour les amateurs. Et c'est pour ça que les personnes ont remarqué, j'en ai parlé de temps en temps, que je cherche justement un partenariat.
Pourquoi un partenariat en fait? L'avantage quand vous êtes partenaire en fait avec une bonne société, par exemple, j'ai envie que mes vidéos en fait servent toujours à la même chose, j'ai pas envie de changer que la manière que j'ai fait. Donc j'ai envie de trouver qu'un site en fait ça intéresserait un site. Et pour moi un site de, j'ai envie de dire que je pense qu'il pourrait intéresser beaucoup de monde, ce serait Millennium. J'ai constaté qu'ils avaient une rubrique justement que de mes types de vidéos et là je vais renvoyer un message, je vais pas vous mentir, je vais renvoyer un pour savoir ce qu'ils en pensent. Parce que je pense que mes vidéos peuvent les intéresser, il faut dire ce qui est. Mais je pense aussi que au-delà même que mes vidéos peuvent les intéresser, je pense que ça permettra à plus de personnes de découvrir ce qu'est Wolfou, pourrait découvrir plus d'astuces, c'est quand même plutôt bien. Et surtout, mes vidéos, il y aura une protection en fait. Vu que c'est quand même un site assez important, mes vidéos seraient protégées en quelque sorte par eux. Donc moi personnellement ça m'arrangerait. J'en ai vraiment besoin. Ça me faciliterait énormément si j'aurais un peu de soutien. Hein. Et voilà. Je vais essayer de trouver du soutien en fait. Si c'est peut-être pas Millennium, ça sera peut-être une autre société, on sait pas encore, hein, je vais pas vous mentir. Mais bon, je vais pas baisser les bras, faut dire ce qui est. On va aviser quand ça se passera. Je vais chercher de toute façon, je chercherai. Pour vous, normalement ça devrait rien changer. Il y aurait peut-être quelques petits changements. Par exemple, c'est bien évidemment si j'ai un partenariat comme ça, je préciserai quand même qui me soutient, qui travaille avec moi en quelque sorte. Hein. Je travaille pour qui va. Bon, c'est de la publicité en quelque sorte, mais c'est normal. Je veux dire, c'est pas quelque chose moi qui devrait normalement choquer les gens. Donc c'est quelque chose que tout le monde, vous savez ce qu'il y a, voilà, quand on fait un peu de vidéos dans le milieu, c'est quand on est indépendant justement dans le milieu des jeux vidéo, des vidéos, ben au plus souvent ça fonctionne comme ça. Hein. On a avantage de toujours avoir un peu notre statut protégé. Hein. Bien évidemment, on est toujours un peu soutenu par eux, donc j'ai envie de dire, voilà. C'est quelque chose, voilà, de toute façon, comme je vous l'ai déjà dit, je vous tiens au courant de comment ça se passe, hein, comment ça évolue. Et ça sera toujours pareil. Hein, moi, je vous dirai toujours comment ça avance, comment ça progresse, ceci. Hein. On verra bien comment ça va continuer. Hein. Donc voilà, c'est vraiment moi, mon objectif 2014, je vais pas vous mentir, en plus de continuer à faire du 2 et que ça plaise toujours aux gens, c'est vraiment de trouver j'ai envie de dire un sponsor, on va dire ça comme ça, mais c'est pas vraiment ça. Trouver quelqu'un en fait qui peut m'aider en fait à continuer à faire mes vidéos. Voilà. Un partenariat, une structure, voilà, c'est parce que pour l'instant mes vidéos ils sont pas du tout protégées, j'ai pas envie que justement que ça s'arrête si facilement. D'ailleurs c'est pour cette raison que je vais reprendre mes téléchargements que je mets sur Dailymotion de mes vidéos. Récemment j'ai eu beaucoup de problèmes techniques avec Dailymotion, c'est pour ça que je n'ai pas pu en remettre dessus. Quand j'ai des problèmes techniques, c'est du genre que mes vidéos plantaient une fois que j'arrivais à 100%, ne voulaient pas finir d'être mis en ligne, tout ça, bon, c'est des petits problèmes. Mais voilà, ça m'a quand même embêté, donc après j'ai pas vraiment repris le temps de les mettre en ligne. Bon, ça c'est une erreur par contre. Mais bon. Une fois tout ceci rétabli, je vais vraiment recommencer comme ça. Ceux qui préfèrent Dailymotion pour regarder une vidéo sur Dailymotion, ceux qui préfèrent YouTube pour regarder sur YouTube, c'est. Je pense à vous deux. Aux deux types de personnes, voilà. Donc je dois vous dire merci. Hein. Je veux dire, ça va continuer, donc voilà. Donc merci à ceux qui me suivent, hein, quel que soit le site, quelle que soit la plateforme, merci. Hein. Bon, bien évidemment, il y a beaucoup moins de choses sur Dailymotion que sur YouTube, donc cette vidéo-là sera sur YouTube, donc voilà. Bon, pour tous ceux qui préfèrent Dailymotion, vous aurez probablement par la suite bah, tous mes walkthroughs qui seront en double. Hein. Mais let's play, non, tous ceux en tout cas qui ont été commencés, vous les aurez pas en double, mais
tous mes walkthroughs, oui, vous les aurez en double. Ça, je vous le dis direct. Ça permettra de choisir votre plateforme, le site que vous préférez, donc voilà. Bien évidemment, dans cette année, s'est passé beaucoup de choses. Hein. Il s'est passé que YouTube a, comment dire, un peu resserré... j'ai envie de dire resserrer les étaux, mais nous a un peu compliqué la vie pour faire des vidéos, faut dire ce qui est. Je vais pas revenir sur les détails exactement de ce qu'ils ont fait, mais personnellement, je pense que YouTube, et plus précisément Google, parce que YouTube ça appartient à Google, hein. Je veux dire que YouTube alias Google commence vraiment à exagérer vraiment, parce que on ose faire du travail de qualité et ils osent en fait nous empêcher de toucher un peu notre rémunération. Hein. Ou Dailymotion justement est beaucoup plus soft et beaucoup plus sympathique. YouTube est un peu archaïque. Ouais, voilà, on va... ça fait un beau mot en plus comme ça pour ceux qui connaissent pas ce mot et pour en chercher un peu. Mais mine de rien, c'est beaucoup trop archaïque justement. Ils veulent pas en fait accepter le fait que qu'on puisse faire des walkthroughs en fait. Je m'explique. Leur idée c'est dès qu'il y a une musique dans un jeu vidéo, vous savez le nombre de musiques, est-ce qu'elles dépendent quasiment tous des droits d'auteur, et pour eux ils veulent pas y rémunérer parce qu'ils protègent justement ces droits d'auteur. D'un côté c'est bien, ça protège bien et gros. D'autre côté c'est toujours pareil, les petits, voilà, nous qui faisons comme un travail comme qui nécessite ceci, qui nécessite comme un matériel derrière, on n'est pas du tout protégé justement comme comparé au gros. Nous on fait des vidéos. Ben, mes vidéos sont pas protégées comme comme je serais par exemple protégé sur des Dailymotion. Faut dire ce qui est. Heureusement qu'il y a des Dailymotion d'ailleurs. Hein, je sais que les vidéos que je mets dessus sont largement mieux protégées que ce que c'est sur YouTube. Hein. Donc c'est vraiment pour ça que je m'efforce à continuer à en mettre sur des Dailymotion. Bon, même si je m'étais un peu arrêté ces derniers temps, faut dire ce qui est. Hein. Faut savoir aussi que mes vidéos, bon, il y a toujours ce problème avec les vidéos, bon, pour les faire, tout ça, ça prend du temps, hein. Mais, voilà, le but à la base de quand j'ai voulu monétiser mes vidéos, je sais pas vraiment quand ça marchait, maintenant que je me suis rendu compte quand ça marchait, je vois que c'est quand même vraiment une arnaque, c'était l'argent que je me fais en fait avec l'argent, par exemple, grâce à la publicité, ça me permettrait en fait de racheter du matériel. Un exemple de matériel que je me serais acheté, ça aurait été un boîtier acquisition HD pour filmer mes jeux PS3. Hein. Et ça aurait été vraiment pour réinvestir un peu dans ma chaîne. C'était vraiment ça l'objectif, mais heureusement, ben, quand on a compris comment marche YouTube, ben, on peut comprendre que ça, ça sera jamais le cas. Hein. Faut pas espérer que ça touche un moindre centime de YouTube. Hein. Donc voilà. Donc je préfère maintenant totalement désactiver la monétisation et passer d'une manière autrement. C'est pas tonnerre que je trouverais en fait, je mettrais carrément à la fin, je ferai carrément une intro, une conclusion différente dans laquelle je cite carrément à la fin par exemple, sponsorisé par exemple une personne qui me sponsorise. Voilà. C'est différent, mais au moins c'est largement mieux pour moi. Parce que je suis mieux protégé et en plus voilà. Ceux qui me sponsorisent, ceux qui me soutiennent, je leur fais de la pub, hein. Faut dire ce qu'il y a, c'est donnant-donnant. Et moi, je peux continuer tranquillement à faire mes vidéos sans être trop embêté, en fait. Vous voyez, j'ai pas besoin de passer par monétisation standard de YouTube qui m'empêcherait justement de mettre mes vidéos en ligne. Parce qu'ils considèrent le jeu vidéo comme une licence, hein. C'est tout à fait vrai. Hein. Donc ça serait ça aurait des droits d'auteur, donc il me faudrait qu'en fait l'accord de par exemple EA, d'Ubisoft, de THQ sur certains jeux que je filme là, même si ça n'existe plus, de Sega, pour filmer certains jeux et être monétisé. Donc sachant que je sais pertinemment que vu mon importance que j'ai, ils ne vont pas me donner ce raccord, ou ils me donneront si jamais je félicite leur jeu, tout ça, ce que je veux pas. Hein. Voilà, c'est un peu le challenge de l'année 2014. Hein. C'est faire en sorte que tout le monde soit content. Que moi, j'arrive à trouver quelqu'un qui me soutient, qui m'accompagne.
pour faire de un travail de qualité, hein. Fournir des vidéos de qualité et pourquoi pas aboutir sur une éventuelle rémunération, même si c'est pas objectif de miser au fond, ce qui est. Mais toute rémunération que j'en tirais, moi, il y a comme une petite importance derrière stratégique, c'est la rémunération que j'en tire, ça me permettrait d'améliorer encore plus mes vidéos. Tu vois, c'est en fait c'est un peu un réinvestissement constant et le profit que je ferai en fait serait réinvesti en fait dans mes vidéos. Donc au final pour vous, ça serait que du bonus. Donc c'est vraiment ça que j'essaie de viser. Donc on verra bien comment on y parviendra. Mais bon, on va vraiment se focaliser dessus, hein. Vraiment. Parce que moi, je vais surtout me focaliser dessus. Vous verrez pas les changements, parce que je fais toujours mes vidéos de la même manière. Vous pouvez constater que j'ai pas changé ma manière de jouer, ma manière de faire les vidéos, ma manière de commenter. Mais je vous promets qu'il y aura vraiment tout ce que je ferai, tout ce qu'il y a dans mon pouvoir pour faire quelque chose de vraiment d'unique. D'unique et d'exceptionnel pour vous. Donc voilà. On va voir comment ça se produire l'année prochaine. Hein. Parce que pour l'instant, on sait pas comment ça va se profiler. Mais bon, on avisera en temps et en heure. Et voilà. Si jamais il se passe vraiment quelque chose d'important, je vous ferai vraiment une vidéo rapidement. Rapidement entre guillemets, je vous ferai une vidéo en fait dans laquelle où j'explique rapidement ce qui se passe et est-ce que ça va engendrer en fait. Donc voilà, c'est sûrement quelque chose. Je vous tiens au courant de toute façon de quoi qu'il se passe, vous êtes toujours au courant. Donc voilà. Ce qui s'est passé dans l'année 2014, 2013 plutôt, parce qu'on arrive en 2014, je sais pas ce qu'il va y avoir d'autre en fait. On a fait beaucoup de choses ensemble, on a fait quand même un bon chemin, ça fait 2 ans que j'ai commencé et mes vidéos continuent quand même à plaire pas mal. Hein. Les vidéos sont toujours particulières, faut dire ce qu'il y a, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose un peu courant maintenant. Mais savoir que ça peut être toujours à des personnes et qu'ils aiment voir mes vidéos, donc voilà, je remercie. Hein. J'ai vraiment envie. Tout ce que je fasse vous continue à vous plaire, qu'on continue à avancer ensemble et surtout qu'on continue à faire quelque chose de beau, de magique en quelque sorte. Parce que mine de rien, c'est grâce à vous que j'en suis arrivé là où j'en suis. Hein. Et j'espère qu'on arrivera à continuer ensemble dans ce train-là pour l'année 2014. Hein. Mine de rien, quand tu vois ça arriver, tu dois flipper. Mais regardez-moi ça. Ah, il faut péter totalement. Oui. Besoin d'aide, il y a trop de troupes. Dans ma vue. Donc voilà, c'est moi je pense que j'ai tout dit, hein. Ça fait un moment qu'on fait un chemin ensemble, donc voilà, maintenant il n'y a vraiment plus qu'à attendre, il n'y a vraiment plus que ça à faire. Yum. Voilà, c'est moi je continuerai. J'ai remarqué quand j'ai repris les Wolfou, notamment ceux de Company of Heroes Opposing Front, tout de suite dès que j'ai mis la première vidéo, j'ai eu des commentaires en disant ah enfin ça a repris tout ça. Et je me rends compte maintenant et je m'en excuse en fait de justement tout ce qui s'est passé entre temps. Je me suis rendu compte en fait que ce qui vous plaisait vraiment quand je faisais des vidéos, c'était le fait que c'était des vidéos de Wolfou. Je m'en suis rendu compte maintenant. J'ai voulu faire un peu de let's play, voilà, parce que ça me faisait vraiment plaisir, je voulais voir un peu comment ça faisait. Je vais continuer à faire des let's play, je vais pas dire au contraire, mais ça sera plus le let's play tout seul en lui-même. Ça sera par exemple un let's play exemple, sur Anno 2070. Et à côté de ça, vous aurez. Qu'est-ce que vous pourriez avoir à côté de ça? Vous
Oui, bah comme moi par exemple, on a le let's play sur je vous fais un let's play sur Crusader Kings 2, on est à plus de la moitié, et à côté de ça je vous fais Company of Heroes. Vous voyez, comme ça vous aurez toujours un peu, comme ça vous pourrez toujours avoir les deux en fait. Donc j'espère que maintenant cette stratégie là que je vais adopter fonctionnera correctement, hein. Allez, faut dire aussi ce qui est. J'adopte une nouvelle idée de stratégie de comment elle va fonctionner. J'espère que ça fonctionnera. Comme j'ai dit, je vais tenter de faire 3 vidéos par semaine. Donc c'est dire c'est quand même un objectif quand même qui est visé. Hein. Tous ici. Ah mais c'est trop marrant en fait. On s'était douté de toute façon qu'il stressait. Là, on constatera comment ça finira. Ça a bien entamé, j'ai envie de dire. Si l'année 2014 est aussi riche que l'année 2013, j'ai envie de dire, ça sera génial. Moi, je pense qu'on aura réussi un beau travail ensemble. Tant que ça perdure, moi, je suis content. Ah, moi, j'ai envie que ça perdure longtemps, donc... voilà, j'ai envie que ça continue, donc je ferai tout ce que je peux pour que ma chaîne continue et prenne de l'ampleur. Hein. Quand j'y prenne de l'ampleur, il est aussi probable que ma chaîne, ben, en prenant de l'ampleur aussi, change. Hein. Faut dire aussi ce qui est. Il y a une évolution. J'adore faire des vidéos. Et je sais qu'une évolution que moi je... peut-on dire, ouais, une évolution que j'espérais, ça serait les dégâts. Je le dis comme je pense. Moi, ce qui me manque quand je fais mes vidéos, c'est vraiment ce que j'adore justement quand je fais les vidéos, moi, c'est le contact que j'ai avec vous en fait. Vous voyez, on fait une vidéo. Premier truc que j'aime bien, moi, c'est une fois que j'ai fait ma vidéo, voilà, je travaille dessus, c'est avoir votre avis dessus. Bah, comment vous avez trouvé ça, qu'est-ce qui va pas, tout ça. Vos questions, c'est vraiment l'interaction avec le public et les gens que moi j'adore quand je fais des vidéos, c'est vraiment ça que j'affectionne. Et c'est vraiment ça que je vise quand je fais des vidéos, hein. C'est vraiment le contact avec vous, l'interaction avec vous. Et un travail de qualité, bien évidemment, comme toujours. Que moi, c'est un peu ma marque de fabrique. Client satisfait, client qualité ou content. Ça peut rien dire, mais bon, c'est pas grave. Bon, en gros, si vous préférez, ça veut dire que je vous fais des vidéos pour que vous soyez satisfait, pour que vous vous amusiez bien. Mais ça veut aussi dire que parfois il y a certains changements qui se préoccupent. Hein. Mais toujours dans le but, c'est ça que j'ai vraiment envie que vous notiez, tous les changements qui se passent sur ma chaîne, c'est toujours dans le but de vous produire quelque chose, soit de nouveau, parce qu'après tout, le let's play c'est un truc de nouveau, soit pour vraiment améliorer, diversifier un peu ma chaîne, et vous proposer du meilleur contenu. C'est vraiment un peu objectif toujours dès que je travaille, c'est toujours ça que je vis sur ma chaîne. J'espère honnêtement que ceci marchera. Hein, que c'est bien beau de vouloir... ouais, je dis, je voudrais ça, je voudrais ça. Mais pour l'instant, ça s'est toujours pas réalisé, donc on peut pas dire que c'est génial. Mais c'est tout à fait possible, en fait. Ça demandera du temps, mais ça marchera. Hein. J'ai envie de dire, attendons. Hein. On sait pas ce que nous attend le futur, mais on verra bien. Donc voilà, ouais, encore une fois, merci. Encore une fois, merci. Merci de m'avoir suivi dans cette deuxième année, de m'avoir suivi pendant l'année 2012, de m'avoir suivi durant l'année 2013. J'espère que l'année 2014 sera aussi riche que ces années-là. Parce que c'est quand même l'objectif, hein. Faut pas se cacher, mais c'est quand même l'objectif quand même de toujours fournir des vidéos
de la meilleure qualité qui soit et le meilleur possible, hein. Et j'espère vraiment que ça marchera, hein. On verra bien comment ça se profile, mais encore à tout, j'ai envie de vous dire merci. Même si dans le pire des cas, l'année 2014, c'est la dernière année où je peux filmer, parce que voilà, ça marche plus, je suis obligé à cause de YouTube et barré. Voilà, c'est possible, hein. Et en tout cas, pour ces deux premières années ont été magiques. Et tellement c'était magique, j'ai envie de continuer et d'aller plus loin, de proposer encore plus et de faire encore plus de vidéos. Voilà. C'est annoncé. On verra comment ça se profilera, mais encore, je vous dis merci. Merci infiniment de me suivre. Parce que un youtubeur, quelqu'un qui fait des vidéos, des walkthroughs notamment, il fait des walkthroughs non pas pour lui, mais il fait des walkthroughs pour vous, parce que ce qu'il aime, c'est vraiment vous faire plaisir. Il filme certains jeux qu'il adore. Que c'est ça en plus. Quand on choisit un jeu qu'on aime bien jouer. Mais derrière, on fait surtout aussi des jeux que on sait qu'ils vont vous plaire à vous. Même si c'est des jeux, par exemple, qu'on supporte pas. Par exemple, je déteste les jeux de plateforme, mais j'en filmerai jamais. Mais si, par exemple, il se peut qu'un coup, je fasse comme un jeu de plateforme. Pourquoi ? Parce que vous m'avez tellement demandé, par exemple, de faire un jeu. Je vous ferai une ou deux vidéos dessus, mais je ferai pas le jeu entièrement, voilà. Ce que j'ai envie de dire, c'est que nous, en tant que youtubeurs, moi, particulièrement, vu que je fais des walkthroughs, on est vraiment à l'écoute de tout ce que vous nous demandez, on est vraiment à l'écoute de ce que vous espérez. Et c'est vraiment ça, en fait, qui fait que nos vidéos plaisent aux gens, parce que initialement, on fait un truc qui nous plaît. Vous voyez ce qu'il y a, au début, ouais, j'ai décidé de faire des walkthroughs parce que c'est vraiment un truc que je préfère, que je vais présenter au jeu d'autres jeux, je vais représenter de nouveaux jeux, leur montrer des jeux qui sont peut-être pas la chance d'avoir. C'est vraiment ça à base pour pourquoi j'ai fait des walkthroughs. Mais aujourd'hui, pourquoi je continue vraiment à faire des walkthroughs? De un, parce que j'ai vraiment envie de continuer sur ces idées de base que j'ai des walkthroughs. Donc faire des vidéos en vue de nous faire découvrir des jeux, de vous faire profiter d'autres choses, hein. Mais aussi en vue de... Nous aurons en vue de vous faire profiter quand même du maximum possible quand on fait des vidéos. Donc, voilà. Je pense que j'ai été assez explicite dessus, parce que j'y suis quand même allé vraiment franc jeu pour vous dire ce que je pensais là-dessus. Quoi qu'il arrive, les vidéos continuent. Les vidéos ne s'arrêteront pas. Tant que je peux continuer, je continuerai. Ce qui m'arrêtera, ça sera quand mon dernier souffle aura été rendu. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase là, c'est pour ça. Donc voilà, c'est... Encore à tous un grand merci de monsieur, encore à tous... vous êtes... En fait, j'étais... Là, je vais me répéter, donc... on va éviter de se répéter, donc... en mot final, on pourrait dire... c'est vous qui faites ce que nous sommes. Quand nous filmons, c'est grâce à vous que nous sommes là. C'est vous qui avez fait que nos vidéos prennent de l'ampleur ou pas. Donc les remerciements, c'est pas inverse. Il y a des personnes qui me remercient parce que je fais des vidéos. Non, non. Vous devrez vous remercier vous, parce que c'est vous qui nous donnez la force, c'est vous qui nous donnez l'énergie de continuer à faire des vidéos. Donc remerciez-vous, parce que c'est grâce à vous que nous en sommes arrivés là. C'est grâce à vous que nos chaînes, je dis bien nos chaînes parce que il n'y a pas que moi qui suis dans cette situation, je parle de quand même de quelque chose de général. Nous sommes tous dans cette situation, c'est grâce à vous, et je pense que la plupart des personnes qui filment seront d'accord avec moi. C'est vous qui avez fait ce que nous sommes, et c'est vous qui permettez à notre passion de continuer. Donc vraiment merci, merci, merci et merci. J'espère que ça continuera encore une fois. Je me suis répété beaucoup, mais c'est pas grave.
ça continuera parce que je pense que l'avenir peut est vraiment prometteur. Comme ça débute pour l'instant, je pense que l'avenir sera est possiblement aussi prometteur que pour tout ce qui s'est passé pour l'instant. Et j'ai envie de dire vivement de savoir comment se passera l'année 2014. Donc voilà. Merci encore une fois. Merci infiniment. Hein, parce que... j'ai carrément plus les mots pour... je sais même plus quoi vous dire tellement je suis ému en fait. Voilà, c'est pour vous dire. Ouais, je vous remercie encore une fois, mais c'est ça qui monte aussi que je suis ému, parce que j'arrive même pas à trouver d'autres mots que pour vous remercier en fait. Donc merci infiniment. Mais fait vraiment beaucoup de choses pour moi de m'avoir suivi faire ces vidéos, m'avoir encouragé, tout ça. Donc vous remercie encore de me suivre depuis si longtemps. J'espère qu'ensemble nous continuerons à aller loin. Et j'espère aussi qu'ensemble nous arriverons à créer quelque chose de beau, de magique. Un idéal du jeu vidéo par exemple. Bon, peut-être pas. Là, je vais peut-être un peu trop loin, mais bon. Je pense qu'ensemble, l'avenir du jeu vidéo est vraiment possible grâce ensemble. Grâce à nous. Mais c'est grâce à vous en réalité que l'avenir du jeu vidéo est possible. Donc vraiment merci. Merci vraiment pour tout ça. Je vous souhaite encore de passer de bonnes fêtes de fin d'année, hein, de passer un joyeux Noël et de passer un bon nouvel an. Je vous souhaite aussi, comme au début de ma vidéo, de passer une bonne année 2014, que la santé soit au rendez-vous, que la prospérité aussi, que tout aille bien chez vous. Et c'est là-dessus que je vais vous laisser pour cette dernière vidéo. C'est une vidéo dans laquelle je pars, mais vous en aurez encore deux en fin de semaine. Donc encore vraiment merci. Merci infiniment. Je vous dis à la prochaine fois. Et à l'année 2014. Ciao tout le monde.